Djokovic-Barbaz. Mais est-ce qu'on peut le dire? Du coup, vainqueur Djokovic-Barbaz. Oui, exactement. 1-0. Et alors là, c'est pas Takeover versus Djokovic-Barbaz. C'est Djokovic-Barbaz versus Djokovic-Barbaz. Alors qui va gagner ce battle? Djokovic-Barbaz. Ok, on va laisser les MC se présenter. Ok, du coup, Starfast, aka le Kizaru du battle rap, let's go, on va faire ouais, ça bien. Ouais. À ma droite, Force MC. Lalan avance comme dans un Tex Avery. Le début de ma carrière, je l'acte. Comment compte-t-il me battre? Je sens qu'ils n'ont aucune présence, lui et son Tex Avery. Ok. J'en ai une là, merci. On verra ça. On va voir. Ok. Est-ce qu'on sait déjà qui commence? Ouais. Ouais, je commence. Ok, faites un maximum du bruit pour le premier round. Let's go. Ok, yo, vous êtes chaud? Ouais. Allez. À la base, j'étais censé affronter Nof. Leur gars était parti sur, puis annulation un mois avant le match-up. Pas fissure, être face à toi, je suis dégoûté. J'avais un round qui excellait et qui pouvait faire rêver tout fan de Dark Pictures. J'ai fait l'effort de te prendre au sérieux, donc prépare-toi, j'arrive avec des tactiques dures. Je viens motiver sur le terrain, comme un joueur à la PL. Ses vertus diminuent, je te l'affirme. J'ai écouté son VS Flaubert-Noir à la DL. J'ai perdu 10 minutes de ma vie. En même temps, faire un one-rounder contre toi, c'est si nul. Surtout quand on sait qu'à ton dernier battle, t'as parlé 7 minutes. Je répète, 7 minutes. Oui, 7 minutes. Crois-moi que ça fait sans cause. Moi, je dis que t'étais en train de cuisiner le même jour et que t'as calculé le temps de ton texte et puis celui de cuisson pour pas laisser ton plat cramer dans le four. On s'est déjà parlé, on va pas tout remettre à l'. On t'a demandé de battle rapper. Résultat, t'as fait un court-métrage. Au moins actuellement... Ok. Au moins actuellement, même si je suis pas à mon prime, l'attention tu le sens. Depuis que j'ai battle Thanos, je me tape que des adversaires qui ont perdu la notion du temps. Je t'ai proposé un one-rounder pour qu'on speed plus longtemps. Fallait pas passer ça si dur. T'as dit non, comme tout le monde, deux rounds de 1,45. Mais à ce moment-là, fallait préciser que t'avais mal placé ta virgule. Toi t'arrives, tel un paysan sortant sa fourche pour arrêter ce tacticien, juste un pied-point à basse lascar. Moi, pas des paroles, mais des armes sortant de ma bouche comme une épée de magicien ou un pingouin de Madagascar. Victoire pour moi. Victoire pour moi. Pas de casse-tête, je crois, élimination. Suffit de target ce poids et puis que je la serre ce foie. Matez-moi tarté ce whack. Je vais te blesser jusqu'à ce que t'acceptes cette marque. Car un no-name ne vaut rien face à un rookie déterminé à ne pas perdre de match. T'es en galère, je le vois. Là, tu vois ton ego se refaire. On sent que ça pique, tu captes ça. Changement d'intensité fait qu'on remarque que l'étau se resserre sur le terrain comme une tactique du Barça. Ce fou, sur je le coupe. Un tarif tôt qui se révèle, se profile. Donc je viens motiver et puis genou sur le cou. Un classique comme si j'étais Derek Chauvin. Taille. Ouais, ouais. Ouais. Un petit flip. Je vois que t'es arrivé fort, comme si ce battle pour moi allait se passer dans la douleur. Mais tu vois ce pull, c'est le signe, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Ok. Après ce battle, toujours un flip. Je t'ai préparé. Après ce battle, l'étoile filante sera plus qu'un cratère. Bravo pour ce premier round. Caractère. C'est bon, on est prêts? Yo. Hey yo, Starfast, sale schlack, ce sera un carnage, écart de niveau et cartage. Là, je mate ma cible. Starfast, as rapide, arnaque, carabine. Je l'attrape, je t'assassine, je t'attaque, je te tire dessus comme à Carthage. L'explosion sera astrale. Car tu dis homme-lumière, mais ici, c'est moi qui la mets sur toi. Là, mec, tu crois que je suis l'ancienne loi comme la Lexis. Là, j'exige que tu me remercies, car je suis la force et elle existe pour maintenir tout l'univers en équilibre. Donc logique que je sois le nombril du monde comme une féministe. Ta réussite dans ce battle va dépendre de la manière dont tu parles de moi. Ma réussite dans ce battle va dépendre de la manière dont je parle de moi. T'es prévisible, je suis élitiste comme Marcel Proust ou Edmond Baudouin. Pour toi je suis beaucoup trop loin, je suis la montagne. Toi quand tu sors, ta mère t'accompagne. C'est pathétique. Moi je suis magnifique. T'es pathétique, je suis magnifique comme Bouffe Tarkington. Toi tu bouffes Tarkington.
petit homme. Quand ta mère n'est pas d'humeur, mais tu te la coltines à chaque event comme une putain de tumeur. Okay. Hey, d'après les rumeurs, t'aimerais faire du... D'après les rumeurs, t'aimerais te lancer dans le battle, mais ce qui t'agace et ce qui t'agace et qui fait tâche, c'est que ta mère s'est embrouillée avec un MC au kick and clash. C'est pas à moi ? Oui. Et là, elle est encore là. Et crois pas que ça me déçoit. Car je me dis que c'est logique pour une étoile filante ramener une traînée derrière soi. Je me laisse déchoir, lâche choristique. Moi je voulais juste me présenter, mais toi t'es bloqué dans l'opposition comme un homme politique. Donc obligé de mettre le feu à la lumière, c'est une surexposition ou un homicide. Car en vérité je t'ai déjà tué. Car puis la carabine, je viens de faire un round entier qui est passé au-dessus de ta tête comme une auréole. Ce qui veut dire que la grotte est morte, je t'ai oxy tantôt. Tu te rends pour la lumière car t'es qu'un proxy fantôme, bourré d'écran et dépressif comme le trois quarts des oxy tantôt. Okay. Mes victimes, je les overheadshot toutes. Allez, suivante. Mes drive-by dans le ciel naissent les étoiles. Filante, okay. Time. Ok. Wow. Wow. Ok, elle peut flipper si elle veut maintenant. Si vous voulez dire un truc, c'est maintenant. Hein? Mon fils, il est classe, il est meilleur. Je suis bien plus... Un zéro pour la maman. Danou, il a tellement bien fait de pas venir. Let's go. Dans le battle rap, t'es arrivé avec un ton très sensible. Je vous ai parlé de son texte de 7 minutes. Mais je vous ai pas parlé du fait qu'il était incompréhensible. Aucune punch, aucune punch. T'es arrivé avec un texte dosé, assez léger. Je savais pas si tu voulais faire un court-métrage ou passer un message aux extraterrestres. Car après le battle, on t'aura peut-être vu mort. Faut bosser ses gestions. Du moment où on t'écoute et où on se dit c'est peut-être du morse, faut se poser des questions. Préparation de l'arme, t'étant affaibli à trop souhait. J'ai une théorie, je pense que tu es l'alien ayant atterri à Roswell. Pense à valoir de l'or alors que c'est une merde. J'ai dû le laisser à son prix. Dans ta planète, personne ne t'acceptait. Du coup, tu t'es barré, ton cœur a fini assombri. Détester tôt la vie, ce nigo n'a pas tort. Ta soucoupe volante, c'est crash au Mexique. Ce qui explique tes excès de cocaïne au niveau de ta parole. Me battre, atterri, tu dors, t'as déjà douté en ta valeur. Je voulais voir qui était le plus fou. Mais être avec des narcotrafiquants d'Amérique du Nord, ça a joué en ta faveur. Tes délires grâce à la mette. Ce qu'on s'en tape, ce fou est un tox nul. Crois-moi, ça sert à rien de crier à l'aide. Ton langage nous est inconnu. Mon objectif, venir à fond devant celle sous fifre. Heureusement que t'es là, une ligue comme l'Aurore ou IRL serait en PLS devant les sous-titres. Désolé que tu sors. Ce gars imprévisible est capable des choses les plus folles. Il dit lui-même, il faut ramener de nouveaux wordplay pour pouvoir innover. Sur ce battle, laissez des buts, résolution éclair. Ayant pour but dès ses débuts de vouloir révolutionner ce game. La tête qui grince en train de lire le contexte. Je me suis préparé, ça me surprendrait pas si tu parles mexicain en plein milieu de ton texte. Nous on est des MC dans ce game, matelas pas te comprend. Alors parle avec ta langue natale parce qu'on veut continuer à ne pas te comprendre. Balèze. Cette fois-ci, j'ai pas de flip en tête. T'as pas préparé de flip? Ah non, casse. Deuxième round. Jokes, bars, force, punch, raid. Gros, je frappe fort, peut-être. C'est parce que je maîtrise ces techniques pendant que tu fais toujours la même merde. Donc maintenant, je vais te montrer comment les faire. C'est pour toi et les autres. Leçon 1. Les jokes. Faut savoir tourner en dérision son adversaire et trouver le bon angle comme un film de F.W. Murnau. Est-ce que pour ça ce petit est assez mûr? Non. Car toi, tu ne connais pas les codes. Si j'insulte n'importe qui dans cette pièce, c'est toi qui le prends personnellement. Honnêtement, là je t'enseigne les bases. Leçon 2, les bars. Faut que... Eh oui, c'est technique ça. Faut que le passage ait plusieurs sens comme un palindrome. T'es maladif. Et je te parle pas du symptôme. Là tu sens que tout le monde te regarde, mais c'est pas une raison pour donner ton âge au con de toutes parts. T'es pas invincible. Face tirée par les cheveux comme une riche BR, t'aimerais en vivre, mais pas si on s'y oppose, car on croit pas en toi comme des punks. Leçon 3, les punchs. Si ça frappe fort, c'est bien.
T'es la lumière, je suis l'éclipse, je t'éteins. Faut que tu vises là, fiston. Je te donne là, piston, même si parfois tu m'étonnes. Car dans un battle, t'as dit, une plume n'a jamais tué personne. Mais c'est pour tes plumes qu'on tirera dessus, ça c'est un joli pan. Après ce battle, ta mère dira... Après ce battle, ta mère te dira, c'est bien, maintenant, holy grand. Lâche cravache, la bête, j'arrache sa tête. Sa mère et moi, on met... Sa mère et moi, on met la lumière dans une boîte. Mais c'est pas une photographie, la poteau, je frappe vite. Mais faut que je passe à la suite. Leçon 4, le propos. Parle. Leçon 5, la reds. Elle est simple, la reds. Let's go. Let's go. Leçon 5, la reds, elle est simple, la règle, plus c'est con, plus ça passe. Juste mets le son sur ta face, car dans une autre vie, t'étais une jeune vache pas très vive demandant des jours d'ITT. Ou une Jeanne d'Arc athéiste avec une grosse chatte gravettiste et toutes sortes de taches d'améthyste. C'est trop obscène, faut que je change le décor, car si je sors ce neuf, il est fun, ce sort. Il est jeune, ce mort, j'écris des rivers sur son corps. Père, force MC, reverse, si même ce fort père. 2 points. Variété, tu l'as, merci. Vous verrez avec les sous-titres. Varier les techniques, t'en as besoin. Car tu vois là, je te rends coup sur coup alors que je t'attaque même pas. Tu vas faire quoi? C'est pour moi, c'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est juste que j'en peux plus. Tu nous fasses toujours la même merde. Taille. Ok. Yeah. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain battle.